Bonjour à toutes, bonjour, bonjour. J'ai deux petites choses que je veux virer, ces deux petites choses-là. Je vous ai dit bonjour, je crois que je vous ai dit bonjour. Enfin, soit, je vous dis bonjour si ce n'était pas le cas. Voici une petite copie de ce truc. Ici, je voudrais avoir des plats. Je voudrais avoir des plats. Des plats de survie par 4, et on va avoir besoin de à peu près 7 jours, donc une quinzaine, on va dire. Il m'en faudrait 16, jusqu'à donc en avoir 16, entre 16 et 20. Et on va lui dire que tu recommences quand tu n'en as plus que. Ben, quand tu n'en as plus que. Disons. 12, voilà, et n'importe qui peut faire ça. Oui, je ne veux pas qu'on prenne le lait, et je ne veux pas qu'on prenne les œufs non plus. Tu me prends de la viande et des végétaux, merci mon ami, et je vais te repasser un petit peu plus haut. Voilà, dès que tu as fini tes trucs, on va envoyer Chauve ou quelqu'un d'autre, je sais pas encore, pour aller vendre notre lait. On va envoyer quelqu'un, en tout cas, ça c'est sûr. Ah ouais, Libellule essaie de ne pas tuer quelqu'un. Merci. Parfait. On peut ouvrir ceci. Alors, on a réussi à toucher un des deux spinopèdes avec des bandes de minigun, tu vois. Donc on peut continuer avec le minigun. Bah, si on peut voir ici, minigun, 10, 10 points. C'est pas ce qui fait le plus mal, mais il a touché plusieurs fois. Encore du minigun ici. 10 points. Encore là. Minigun. Minigun. Donc ça passe. Encore minigun. Encore minigun. Donc ok. On pourra continuer à faire ça. Est-ce que j'ai demandé qu'on le rouvre? Oui. Voilà. C'est fait. Donc normalement j'ai des bestioles là-bas pour récupérer les humains. J'ai demandé à ce que les animaux puissent venir récupérer ici. Pourquoi? C'est du granit. Et on doit t'autoriser. On va aussi autoriser ceci. Et on va faire ces trucs-là. Les démolir. Ah, il est clair. Tu tires ton. Ouais, ça, j'ai un peu fait le con. J'ai pas fait ça au bon moment. Donc, on a encore ceci à faire. Bien. Anarchiste, est-ce que tu as quelque chose dans les bras? Tu viens juste construire un toit. Ouais, tu peux construire un toit. Tu peux aussi me faire ça. Alors, les toits, ben ici, pour faire un toit, il va me falloir ça, j'avais oublié de le faire, une zone de couverture. Ben, si je mets rien là, ça marchera pas. Parfait. Là, ça peut aller. Ici, par contre, zone de couverture, si je veux faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, même plus à mon avis, on va faire ce qu'on peut dans ce coin là, voilà, et ici non, je peux pas, ici par contre, je peux refaire du 6.
Et si quelqu'un vient par ici, je lui demanderai de me fermer cette porte que j'ai oublié de fermer. Et on va peut-être aller un petit peu plus vite que ça. Libellule, je voudrais que tu me fasses ce truc. Oui, au revoir, messieurs, dames. Donc, dès que tu as fini, Libellule, tu me travailles ça, ma belle. Nous avons notre pauvre ami anarchiste qui est tout seul à travailler là. Voilà, anarchiste, tu tires ton casque. Zut, t'as tiré ton casque, c'est pas grave. Un autre groupe de voyageurs. Ben dis donc, des groupes de voyageurs. Moi je veux bien, mais... à part ça, voilà. Je peux même rien faire avec vous, c'est une bonne idée les gars. Merci. Un petit chef-d'œuvre. Libellule, bien. Alors j'ai un deuxième patient qui attend. Ouais, je vais pas faire les deux. Toi, tu n'as plus de poumons, je crois. Mais je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai enlevé les poumons. Et toi, étant encore une qui traîne, on va pour le moment la suspendre. Voilà. Comme ça, on n'abîme pas trop nos petits jeunes. Je crois qu'ils ont. Voilà, un organe était prélevé. On va laisser faire un petit peu comme ça. C'est bien. Un chef-d'œuvre. Nous disions donc que nous avons un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre va servir à aller faire un petit voyage. Il va venir faire un petit voyage. Je ne sais pas où est-ce qu'on va le mettre. Pour qu'il ne soit pas bouffé par les animaux, on va pouvoir le mettre ici, voilà. Alors, j'ai demandé qu'on me fasse... Voilà, c'est un peu tout le monde qui me fait du... Là, j'ai entendu un petit bruit. Donc, dans la faune, on est toujours occupé d'essayer de me récupérer ces bestioles-là. Dans les animaux, alors j'ai demandé quoi, herbivore intramuros ? Non, on va te mettre dans. Toi, tu vas dans l'abattoir déjà. Hein ? Abattoir. Alors, un mâle. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Dromadaire? Hop! C'est pas grave. C'est pas grave, mon petit. On a tous cette malade. C'est Grizzly qui est si mauvais que ça pour le moment? Grizzly, cuisine, t'as quand même. Hein? T'as 0,10. Bah oui, comme tout le monde, quoi. Juste tout le paquet de la bouffe qui est mauvaise. Ah oui, le problème c'est quand vous en faites par 4. Ah, je n'avais pas pensé à ça avant. Donc quand vous faites les plats par 4, eh bien ces 4 plats d'office qui seront mal foutus. Oh, Sky. C'est pas l'idéal. J'ai pas vraiment besoin de ce truc. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui pourrait venir ici? Oui, je pense. Tommy, tu portes. Rimen. Ok, Rimen, tu vas venir, ma belle. Je voudrais que tu viennes ici, ma chérie. Comme ça. Bah, merci. Je t'arrête ici et je te demande de me faire du toit. Et tu continues.
Bon, au niveau de la faune, il en reste un. Et les autres viennent à abattoir. Ok. Alors, je souhaite que toi, tu vas mourir dès que tu seras rentré. Et toi aussi. Où êtes-vous, les petits gars? Pas encore. Hein. On va vous laisser revenir. Allô, que me fais-tu de joli, mon ami? Tu prends des pommes de terre. Tiens, prends-moi ça. Ça marchera aussi bien. Scanner, ah, ça c'est bien, de l'uranium. Alors, c'est où ça? Ouais. Ok, c'est pas très loin. Ça sera très bien, j'en aurai besoin. Et finalement, on va permettre. Bon, on a 8 composants ici, hein, les gars. Ils vont très bien aller ici. Alors, Maker, je voudrais savoir ce que tu es occupé de me faire pour l'instant. Alors, ceci, j'ai demandé qu'on la balance. Et ça sera Lisa qui va me faire tout sans stresser. Pas pour furie. Tu vas dormir. Bah, en même temps. Tu peux aller dormir, mais tu peux aussi me porter, ça, ma chérie. Voilà, t'en vas tellement vite. Tu vas dormir après. Comme ça, moi, je prends mon temps pour dire que je veux ici dedans uniquement des rations de survie. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, nous en sommes à 93%, 93%, 85%, là 84%, on laisse finir un tout petit peu. J'aurais voulu avoir du riz plutôt, moi ici. Fais-moi du riz. Voilà, ici on va également demander du riz partout, on est à 94%. Plonderie. Vérification des forestiers. Grizzly. Vache. Bam. Ok. Ça. Ensuite, par ici, ça va être la même chose. D'autres, vous devenez du riz. Vous aussi, vous devenez du riz. Alors, allô? Un bébé dromadaire, il n'est pas bien. Choqué à cause de la douleur. T'as quoi comme douleur? Parce que t'as bouffé une merde? Enfin, t'as bouffé une tartine un petit peu. Ben dis donc. T'as fait pas grand chose, hein, mon petit guette.
Alors, tout ça passe en smoglyph. Et vous deux, vous passez en smoglyph aussi. Voilà. Ici, j'ai dit que c'était du planderi. C'est bien. Ça, c'est du planderi. Ça, c'est du smoglyph. Bon, c'est avec 3. Ben, disons avec 3. On a fini les bras bioniques. Parfait. Je pense qu'on a encore du travail. Non, jusque-là, on est bon. Monsieur Mekka, ça, je ne veux pas que tu viennes ici, mon ami. Là, on a plus de... On a terminé le travail ici. Donc, on va refermer celui-ci. Et je souhaite que Mekka... Ça, c'est pas lourd. Mekka. D'autre que ça te fait un petit peu sortir, hein? Mais là aussi tu vas sortir, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi il y a toujours du brouillard? C'est bien long mon brouillard, hein? Est-ce que tu vas aller chercher les composants là-bas? Non, tu vas jouer de l'harpe. Tu vas me chercher les composants. Ah, alors qu'ils sont ici, hein, tu vas me dire c'est. Oh. Va plutôt me faire ça, tiens. Démantèle. On verra après. Vite fait ça. Ça va prendre un peu plus la construction. Dormir, t'es à 83%, donc ça va. Et on va te demander de... Tu transportes jusqu'au câble électrique, c'est bien. Tu vois? Et continue, hein. Alors, capsule de cargo, j'avais pas vu ça. C'est pas chez nous. C'est quoi? C'est de l'acier. Eh ben, sans acier. L'étagère, c'est fini. Ok. On va préparer chauve. Dès qu'il a fini de dormir, on va le fermer, on va le laisser manger. Bon là c'est dégueulasse, pardon, c'est sale, c'est très très sale. Qui est-ce qui va mourir? Les ânes. Toi, tu meurs. Adieu, sois heureuse. Ensuite, une ânesse ici, une ânesse. Comme cela. Anes 1, Anes 2, et on va encore en buter un, celui-là.
J'ai pas besoin de 500 000. Un dromadaire d'un an, deux, et... Monsieur Lechaux, vous êtes prêt, monsieur Lechaux, ben, c'est bien. Vous allez partir en voyage, mon ami. Monsieur Lechaux, vous allez vous avez mangé, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Je vais vous demander. On met une caravane chauve. Vous allez partir avec les juvéniles. Tiens, part un peu avec les juvéniles. Ils bouffent moins que les autres. Attends, fait déjà 7, c'est beaucoup. Te prends avec toi les plats raffinés. Alors il te faudra, à mon avis, une bonne dizaine. On va en prendre 12. 12, ça te fait 6 jours. Prends-en 16. Prends tout, ouais, 16. Comme ça, je suis sûr d'être pépère. Bon, le problème, c'est que tu ne seras pas à la maison, mais on s'en fout un petit peu. Alors, on va prendre quoi pour les animaux? Les animaux, que vont-ils manger, mes animaux? Donc déjà, on va prendre le lait. Je pense que 2005 de lait, c'est pas mal. On va prendre les œufs. Les œufs et le lait. Les œufs et le lait. Je pense que un sac de couchage ne te ferait pas de tort non plus. Et ensuite, y a plus rien, je crois. Tout ça, ça partira. Déjà avec tout le lait que nous avons ici, ça va être pas mal. Donc j'ai besoin de prendre tous les plats simples. Il me faudrait plus de plats que ça. On va leur faire bouffer les plats raffinés. Ça me fait 19 plats pour les animaux. Et je pense que ça doit être bon. 2500. Je dois pouvoir vendre ça au moins, à mon avis, à 3. Hein, quelque chose dans le genre. Est-ce que j'ai encore de l'argent sur moi? On va prendre les joints. Et on va prendre de l'argent. Je n'ai pas d'argent, je crois. Où est l'argent? J'ai pas de pognon, moi. C'est... Ouais, bon. Choisir le trajet. Viens déjà ici, 3 jours. Voilà. Ça m'étonne que j'ai pas de trick.
Ah, si j'en ai du pognon. Ensuite, Jean, tu vas passer en il fait combien dehors? On est au mois de décembre, donc il n'y a pas de problème. Je vais te proposer de repasser en je sais pas quoi. Donc, choisir alimentation, on va prendre raffiné, on va lui dire qu'il peut prendre les plats raffinés, hein, voilà, et on lui dira après, quand il n'y aura plus de plats raffinés, qu'il pourra prendre les survies. Ok, bon, ben ça va, donc raffiné, comme ça il sera de bonne humeur, les animaux aussi auront bu leur truc. Par contre, j'aurais bien voulu que quelqu'un fasse à bouffer vite fait. Mais ça m'étonnerait qu'on y arrive. Tant pis, c'est pas grave. On verra bien, les animaux, ils sont pas... C'est bien ça, Lisa. Ensuite, je crois que Maker n'a plus rien à faire si il me fabrique un manteau. Et il voudrait bien aller manger, donc on va l'envoyer vite manger. Pas la peine qu'il ne soit pas bien. Hein. Alors, Tommy, comment ça se fait que Tommy récolte échoué? Travail. Tommy, est-ce que tu as le droit de faire quoi dans les fermiers? Tommy, est-ce que tu as le droit d'être forestier? Non. Donc comment ça se fait que Tommy... Certainement pas vache, hein? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Pas lourde peut-être. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Laisse-moi un peu regarder ça. J'ai vu un récolte échoué. Hein? Regarde là, Tommy, il fait quoi là? Il coupe un plant de coton. Donc, attention, ça c'est une chose à savoir. Quand vous modifiez une plante, enfin une pousse, il va couper, mais il va pas utiliser forestier, il va utiliser récolter. Enfin, c'est ça. C'est comme si il allait l'utiliser, mais sans l'utiliser. Donc, ok. Donc là, je suis occupé de perdre bêtement des trucs. Donc, Tommy, tu stops ce que tu fais. Hein? Et tu viens... Là, tu peux pas, donc je t'arrête, hein, voilà. Tu laisses faire ceux qui savent faire, peut-être pas, non. Plant de coton, bam. Toi non plus, mais si, toi tu peux, hein. Dan, tu fabriques un joint, tu priorises. Tu vois, c'est toujours semé. Ok, Tommy, je te relâche, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est riz, riz et riz. Ici, nous avons du smoke leaf. Nous avons du smoke leaf. À la limite, je suis pas sûr que je vais garder du smoke leaf. Je vais plutôt mettre ici un plant de racines de vie quand même, même si j'en ai beaucoup quand même. Je crois que j'en ai 128 avec 4.
ça devrait se faire. Trois plants de riz. Ok. On est pas mal parti. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Bud, mon ami, tu transportes des gravats. Grizzly, tu termines la construction. Mais tu vas d'abord aller manger. Voilà, t'es un peu con, comme d'habitude. Hein. Sky, tu termines une construction de mur en ardoise. Ok, moi je veux bien, mais est-ce que... Pourquoi vous prenez pas un peu de matos avec vous, les petits gars? Hein? Donc, par exemple, tu vas... venir ici. Ah. Ok, et... Ah bon, je vais aller. Allez. Et ici, est-ce que j'ai encore un peu de... Ah, c'est pas la bonne. Mais bon, Libellule va me faire quelque chose de très joli maintenant. Comme par exemple... Alors, qu'est-ce qui serait le plus intéressant qu'elle me fasse pour l'instant? Ici, elle vient de terminer ses quatre sièges. Excellent. Bon. Bon, et... Excellent. Elle va me faire... Qu'est-ce qui serait le plus intéressant comme meuble à faire? Eh ben, je crois que ça va être un lit royal. Elle va me faire un lit royal. Où est-elle? Elle est là. Démonte une porte. Ensuite, tu vas enlever ça et enlever ça. Ok. Mais le chauve est parti. Bien. Libellule, je voudrais que tu me fasses maintenant un... Alors, les lits, mais plutôt un lit médicalisé. Tu vas me faire un lit médicalisé en métal. Je crois qu'il y a une qualité qui joue. Hein? Non? Oui, je crois. Hein? Pas. Je crois. Hein? Valeur de base, efficacité du repos. Qualité du traitement médical, je pense, hein. Je pense. Ah, sinon, c'était vraiment le bon moment pour... Non, fais-moi un médical. Ok, il est parti. Chauve. Rimen. Enlever le sol. Mon Dieu, quelle bonne idée, ma chérie. Bien joué. Sky, tu vas manger. D'accord. Ensuite, Lisa, tu nourris beau. Ok. Anarchiste. Voilà, va un peu me mettre les 8 trucs qui traînent là-bas. Encore anarchiste. Tu peux encore. Ah. Pas, hein. Il y en a 8 là qui traînent. Hein. Il en manque combien? Ah oui, bon, beaucoup d'acier encore. Ok. Ouais, ok. Fais ce que tu sens, mon ami. On va le laisser faire, même s'ils font des allers-retours à la con, comme d'habitude. Je ne vais pas... Ok, donc on a un chef-d'œuvre en lit médicalisé.
Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, juste un chef-d'œuvre. Ah oui, mais c'est pas, elle n'est pas géniale, elle, encore. Ah ouais, on a un super bon repos, là. Ok, c'est bien. Bon, pour le moment, on va te mettre là. J'ai plus rien comme emplacement. Allule. Tu utiliseras ça après. Voilà. Dites donc, les petits jeunes, là, disent ça, moi, je veux bien, mais je voudrais que vous me nettoyiez un petit peu d'abord. Avant de me faire vraiment des trucs comme ça tout plein. Petit coup là, ça va pas faire de tort. Dan aussi. Ok, viens un peu nettoyer aussi, mon ami. Regarde, on se sent tout de suite mieux, hein? Non? Oui. Même chose, Sky. Relax. Dès que t'as fini, bah, tu me nettoies un peu. Hein? Regarde, voilà. On sent tout de suite, c'est autre chose. Hein? Donc pas grand chose, hein. Mais bon. Donc pas grand chose, mais il manque. Alors, les animaux. Il y en a un qui crève de faim. Alors, on va s'occuper de ça. Tu fais quoi, là? Maintenant, on adhère 4 à donner naissance. On continue à nettoyer. On va en mettre partout. Narcisse s'y met aussi, c'est bien. Ouais. Ici, c'est rempli. Il y a quelque chose que je pige pas, mon petit gars. T'as tout ce qu'il te faut ici. Donc viens plutôt démanteler ça. Ensuite, on a Sky.
Ensuite, maintenant tu peux porter ça pour ce qui reste. Tu vois, il en reste que 3. Donc Sky, tu rentres manger, c'est ok, mais tu prends ça avec. Et anarchiste, tu vas me chercher des composants jusqu'au truc, voilà, qui est beaucoup mieux maintenant. Toi, tu vas pas jouer de la harpe tout de suite, tu vas me finir ça, comme ça, on a la paix avec. Vache, tu te finis et voilà, comme ça. Une année, c'est enceinte, c'est bien. Non. Toi, maintenant, vache. Tellement content que tu veux travailler. La zone de toiture. Si je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Alors, j'ai demandé une zone de toiture avec des trous dedans et c'est parfait. Alors ça, j'aurais voulu qu'on l'enlève. Celui-là, il peut rester, je m'en fous totalement. Nous avons notre suivant. Ensuite, il restera celui-ci. Et donc, on va pouvoir construire des murs. Également. Tac, et je veux enlever des bords, mais pas besoin, des petits coins, voilà, pour économiser un peu de travail, et voilà, et c'est fait. Toi, t'as pas terminé, mais on y sera bientôt. On va, ma chère palourde, on va en ardoise. Ouais, ça va. Pas de problème. On va les laisser faire. Alors, j'ai également animaux affamés toujours. Ah, un fournisseur militaire. Un fournisseur militaire. Tommy, c'est pour toi, mon ami. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui vendre à notre petit Tommy? Il fait dodo, il va aller manger après. On va le laisser faire. Pas pressé à ce moment-là. Maker continue à faire son petit boulot. Oh,
Voilà, Tommy, une fois que tu as fini, je veux que tu viennes ici. Alors, ici, je souhaiterais également qu'on ouvre, qu'on autorise tout de suite ce truc. Voilà. Ok, merci Tommy. Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux acheter? Une danse en métal, 33, ça va, je vends. Masse en uranium, je récupère, je sais plus combien, mais suffisamment d'uranium. Et donc je les garde. Le plastacier, je n'en sais pas chez nous. Alors, marteau de Zeus, bon. Là, tu commences à m'intéresser, mon ami. Pas excellent, mais... Maintenant, un seul, généralement, est suffisant. J'aurais préféré des lames monomoléculaires. Enfin, continuons à regarder ce qui se passe ici. Casque de cataphracte chef-d'œuvre, c'est chez moi. Casque de commando chef-d'œuvre, c'est chez moi. Ça, c'est chez moi. Ça, on s'en fout. 97%. Si ça en demande pour un bouclier d'énergie chez moi. C'est bien, hein? Je pourrais bien te vendre ça. Est-ce qu'autrement tu accepterais de m'acheter tu m'achètes pas, hein? On continue à regarder un petit peu. Je peux te vendre des joints, ok. Ça c'est une bonne chose. J'ai un facteur de guérison ici. Est-ce que je n'ai pas déjà un facteur de guérison, moi? Je n'en suis pas sûr. Bon, on va te vendre les arcs. Je ne sais rien faire avec. Je peux pas les... Je peux rien récupérer. Les pilums, je peux rien récupérer. Les arcs, je peux rien récupérer. Pilums, voilà. Ensuite, les lourds ici, normal, là je vais te les vendre. Ok, ensuite nous avons un ça, je garde, bien sûr. Je garde mon cocktail Molotov. Une grenade à fragmentation, j'ai pas besoin que tu me la fasses. Un masque de guerre, je te les vends. Alors, des gilets pare-balles. Qui ne sont que bons, on va te les vendre, tu aimes bien ça, ça se vend bien. Alors, une armure de reconnaissance excellente à 234, ça me coûte en plastacier, ouais, on va la vendre. 234, c'est ça de repris. Et on achètera du plastacier avec, hein. Ok. Gilet pare-balles excédent, ça je garde. Ensuite, des boucliers d'énergie à 343. On va les vendre, on va en faire. Regardez-moi ça comme... Ça en vaut la peine, hein. 690 au bouclier d'énergie. C'est énorme, hein? Très bon, ça. Casse de commando, bon, ça, on va garder. Bon, tu as 2787. Je peux t'acheter. Je peux t'acheter. Le schéma tactique. Et j'ai rien d'autre à t'acheter pour l'instant. Les composants, je vais les garder. Épée plasmique, non. Marteau de Zeus, il n'est que bon.
faire vraiment une mono-moléculaire. J'ai pas vraiment besoin de deux marteaux de Zeus. Hein. Mais toi, tu as tapé au marteau de Zeus, l'autre, il est stun. Et puis après, il récupère le petit. Il s'adapte, quoi. C'est ça, mon petit problème avec. Ok, on va accepter ceci. Mais on va faire une autre petite chose. C'est déplacer ceci. Et on va le réinstaller. Ah, ici, il sera très bien. On va vite le mettre ici. Et c'est Tommy qui va faire ça, d'ailleurs. Réservé par Libellule. Et Libellule, elle est où? Ok. Ah ben non, Tommy, tu restes dans le coin. Hein? Non, non, viens ici, Tommy. Fais pas le con. Qui est-ce qui veut transporter des trucs qui ne me servent à rien? Donc toi, par exemple. On va oublier ce truc. Voilà, on va l'annuler. Et on enverra nos animaux. Est-ce que nos animaux ont encore quelque chose à faire pour l'instant? Je n'en suis pas sûr. Oui, il transporte un petit peu de métal, puisque je fais des trucs en métal pour l'instant. Et du métal, on en a encore plein là-dedans. Donc, disons qu'on peut proposer aux animaux, en plus il y a les deux trucs ici, normalement les animaux vont aller eux-mêmes dans ce coin-là. Grizzly, tu vas manger, ok. Tiens, allez les gars, faites-moi ça proprement. Oh, elle fonctionne déjà en plus. Donc absolument, je veux avoir... Est-ce qu'il y a du métal qui traîne? Ouais. Viens me prioriser ça. Et Becker, je veux que tu me fasses ceci. Alors, il me prend la gelée d'insectes. Exactement ce que je voulais. Donc, un petit contrôle, shift. Eh bien, je pense que... Voilà, une très bonne chose de faite. Voilà, une très bonne chose de faite. Je te prends tout ton fric. Et je me libère de la place. Ben voilà qui vient. Becker, où en es-tu? Ok. On va les laisser faire, on n'est pas aux pièces. Regardez-moi un peu tous ces petits voyages là-bas. Ils font des trucs un par un, mais bon, on s'en fout un petit peu, il faut dire. Bon, où en est-on? Inspiration, on l'a eu, elle est faite. Inspiration, et Sky, inspiration. Bon. Comment sont les... besoin, on a prélevé un organe, il reste 5 jours, ok, et vous avez un petit peu faim, c'est pas grave. Les animaux, est-ce qu'ils ont faim aussi? Ils ont faim aussi, mais normalement Allo est occupé de, je suppose qu'Allo fait à manger. Ah, il fait des rations de survie, bon ben tu feras le truc après, hein, ça va. On n'est pas pressé.
mangerai un petit peu moins, et puis c'est tout, les animaux là. Est-ce qu'on a encore mangé une autruire? Ensuite, je voudrais que... Il fait sale, hein, chez vous, là, les gars, hein, Bud? Viens un peu laver ici. C'est tellement crade. Ça m'a pu faire une recherche correcte là-dedans. Encore. A pu? C'est propre? Propre 001. Ok. Allez, Foucault. Est-ce que mes personnages ont toujours du plus 6? Des attentes élevées, on est toujours bon, mais on devrait bientôt arriver à zéro aussi, bien sûr, d'ici peu. Bon, mon cher Jean, tu n'es pas encore arrivé, mais tu devrais bientôt arriver, j'espère, dans 2 jours. Mais ben, comment est ta santé? On a encore 2 plats sains, 13 plats raffinés, plus que 4 rations de survie. Ok. Alors, les besoins des animaux, bon, ils viennent de manger. Toi, tu as mangé. Ouais, je crois qu'il me bouffe mes rations, hein. Tant pis, on verra bien. Alors, on va regarder un petit peu ces petits jeunes ici, qui s'en vont anarchistes, et qui veut transporter un gravat en ardoise. Ce qui est une extrêmement mauvaise idée, parce que c'est juste pour enlever un truc, tu vois là. Et donc, tu vas d'abord me faire ça, hein, mec. Sky, ma chérie, tu vas terminer la truc. Ok. On va les surveiller avant qu'ils partent. Hein. Des rats. Mon Dieu, on a peur. Il y a 2 rats vengeurs d'hommes. Moi, je veux bien les petits gars, mais j'ai besoin que vous me donniez. Transporte son gravat quand il m'embête avec ton gravat. Scanner d'uranium. Ne rêve pas, mon petit. Ne rêve pas, mon petit. Encore celui-là, parce qu'après tu vas encore m'embêter, et puis après celui-là, et je te lâche. Il faut un qui passe par la porte comme ça, amusant comme tout. Si on peut dire.
À plus? Voilà, je vais mettre à plus maintenant. Très bien. Ouais, même animal, là. Eh ben, le petit gars, oui, je voudrais bien, oui. Les ânes. Hein? Ouais, ben, de toute façon, là, j'avais plus rien à vendre. Hein. Il n'avait plus de sous non plus, donc on oublie. Comment se sentent-ils, ces petits jeunes-là? 55. Insuffisance chimique, ouais. Ben, j'ai fait le test. Insuffisance chimique, vous, ça marche avec des joints. Vous pouvez fumer des joints pour remplir ce besoin qui est ici. Et ce besoin qui est ici ne vient que si vous avez une tendance toxicomaniaque ou plus. Et la pinoxicilline, si vous voulez mettre de la pinoxicilline, si vous, hein, j'ai voulu tester si ça marchait, ça ne marche pas. La pinoxicilline ne fonctionne pas pour remplir les besoins chimiques, malheureusement. Donc vous êtes obligé de les droguer complètement. Alors, frénésie de mouvement pour Dan. Tactique de recrutement pour Vache. Animaux affamés. Il serait temps qu'on en fasse un petit peu, mais je pense que ça devrait être fait d'ici peu. Hein? Comme par exemple Rimen, qui me fait quoi Rimen? Qui me fait des plats simples. Qui, elle va sans doute les intoxiquer, les petits jeunes, hein? Mais bon. On verra bien. Ensuite, on a de l'uranium. Alors, de l'uranium, je serais intéressé de savoir où il y en a. Il y en a ici. Bien, parfait. Ça va. Toi, oh, t'as toujours rien. Donc, ces deux trucs-là, on s'en fout. Alors, j'espère que tu emportes quelque chose avec toi, anarchiste. Tu emportes 15. Est-ce que tu auras avec 15? Eh bien, ça m'étonnerait beaucoup, mon ami. Ça m'étonnerait beaucoup. Chaud, quel est ton problème? Ok, je ne sais pas quel est ton problème. Tu es descendu ici. Donc, je vais t'autoriser dans ton raffiné. Et je voudrais modifier ton raffiné assignation. Régler la règle d'assignation, choisir alimentation. Non, elle n'a pas. Je crois pas que j'ai pris. J'ai pas pris de. Non. Écoute, t'as dû raffiner, mon gars, c'est. Manger un bon repas et t'as besoin de bon ok mais tant pis hein, tu resteras comme ça. Oui c'est le problème avec lui, c'est qu'il a moins 12%. Toi t'as pour 15, tu vois, t'aurais quand même pu prendre les trois en plus hein, mon petit gars, c'est quand même bien dommage que tu me fasses cette bêtise-là. Eh bien, pour te punir, je vais te faire démanteler ceci. Et je sais qu'il va te falloir du temps. Bien fait, t'avais qu'à être intelligent. Et puis c'est tout. Et puis après, tu prendras ça avec toi. Là, on n'a plus besoin de regarder ça. 12-3. Donc, ici, Maker, je suis certain qu'il me fait des tas de bons trucs. Sauf qu'il risque d'être bloqué à l'intérieur. Bon, ça va. Pas trop grave jusque-là. Bien.
Mon cher Tommy, construction, est-ce que tu rates tes constructions, toi? Oui, tu rates tes constructions. Eh bien, puisque c'est comme ça, on a terminé de ce côté-ci. De ta fin aussi, hein? Et toi, Grizzly, tu viens juste pour dire bonjour et tu te tires, c'est ça? Ou au moins tu finis ton travail?